Voilà, donc ça reprend. Bienvenue pour la deuxième partie pour le résumé de Shazam. J'ai fait le premier résumé, j'espère que vous avez compris l'histoire. Maintenant, on va faire un petit peu le rôle de le scénariste de gamin de 4 ans, mais petit, hein, pas un gros, mais un petit. Écoutez à propos de ça. Salut les Warner Boss, il dit c'est comme coucou, je me présente, je m'appelle un gamin, le scénariste de gamin de 4 ans. Et je vais vous faire une belle histoire, mais une histoire, mais vous parlez de Shazam, mais moi je vais raconter une belle histoire. C'est un jeune garçon qui s'appelle Billy Boston. Moi je m'appelle Billy, mais pas Boston, hein, à propos de ça. Qui s'installe dans une ville d'États-Unis qui s'appelle Philadelphie. Moi j'habite pas à Philadelphie, moi j'habite à Nice. Hein. Donc on peut dire carrément, hein, on peut dire. Mais un jour, voilà, je vais vous raconter une histoire. C'est un jeune garçon qui s'appelle Billy Boston qui vit à Philadelphie en États-Unis et qui s'est fait abandonner par sa maman qui avait 7 ans. Tiens, comme par hasard, comme moi. Hein, je m'ai fait abandonner par ma mère il y a. J'avais 5 ans. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et un jour, évidemment, il y a un autre garçon qui s'est fait rejeter par son frère et par son père. Je sais pas pourquoi, mais est-ce que lui, il croit à la magie? Et son père, en tout cas, et son frère s'est moqué de lui, qui traitait le gamin d'un boulet, en fait. Vous voyez ce que je veux dire à propos de ça? C'est quand même complètement ouf, quoi, qu'on peut dire. Et lui, il a rencontré un vieux monsieur, un black. Parce que c'est vrai que dans DC Comics, excusez-moi, mais entre Marvel et DC Comics, on a compris. Hein, on a compris l'histoire. Et puis, il a rencontré ce jeune garçon qui dit, à la grosse voix qui fait peur, hein, il faut dire. J'ai été choisi parce que tu es un cœur pur. Pour affronter les forces du mal, tu dois prouver que tu es un cœur pur, tu dois choisir de côté de quel camp de magie tu vas être. Sois de mon côté et te deviens un nouveau héros pour affronter la force du mal. Mais si tu choisis de côté l'obscur, tu seras rejeté dans l'héritage de champion et tu seras un boulet. Déjà, il s'est fait déjà rejeter par son père et par vous voyez, par son papa et par son frère. Et lui, il a décidé de descendre de l'obscurité. Mais quelques jours plus tard, et Billy Boston, en tout cas, et lui, il devient adolescent. C'est bizarre parce que j'ai encore 4 ans, hein, on peut dire carrément. Il s'est fait engueuler par l'assistante sociale. Moi, j'ai pas l'assistante sociale parce que j'ai été adopté par la famille d'accueil. Mais il s'est fait adopter par une famille d'accueil qui est pas comme les autres, qui accepte des enfants abandonnés qui sera leur propre nouvel enfant ou son propre fils. Et eux, il devient leur nouveau papa, nouveau maman avec ses petits frères adoptifs. Mais c'est pas comme les autres. Alors, on trouve une adolescente super canon, qu'on peut dire. Waouh, c'est vrai qu'elle est canon. Un petit geek asiatique que lui qui est fan de jeux vidéo, qui est intelligent. Une petite fille noire qui veut donner son amour à son nouveau grand frère. Et puis un frère handicapé, et lui qui croit, une grande naissance, il croit, alliance des super-héros. Mais en tout cas, qui veut accepter son nouveau frère de Billy Boston. Que lui, que le pauvre, il veut chercher sa maman. Hein. La garce à maman, je peux te dire, c'est une garce, hein, je peux dire. Mais excusez-moi, il faut pas dire dans ce mot, hein, vous attaquez pas. Il a défendu son frère parce que son frère, il s'est fait casser la gueule par les gros bras. Hein. Dans tous les cas, c'est comme ça. Hein. On dit geek ou pas, on se fait casser la gueule. Et puis il s'est enfui par le métro. Moi je n'avais pas métro parce que c'est ma maman adoptive qui m'a amené dans le métro. Alors c'est bizarre à propos de ça. Mais enfin bon, je vais entendre l'histoire. Et raconter le sorcier Shazam. Et que là, qui dit la même chose, mais qui fait peur à Billy Boston. Alors il dit, oui, qui êtes-vous? Je suis Shazam. J'ai été choisi le cœur de pur d'un nouveau champion parce que tu es l'héritier. Prononce-moi! Dis le nom! Alors,
Je suis désolé, mais t'es qui, toi? Je te connais pas, Tiki. C'est quoi ton nom? Tu m'adoptes ici, tu me dis pas. Je suis Shazam. Je suis le sorcier parce que t'es choisi d'un cœur d'un champion. D'avoir à nouveau l'héritage d'un super-héros pour que tu choisisses de mon côté. Si tu choisis de mauvais côté, ta famille sera en danger comme moi. Alors si tu dois protéger ta famille, prononce-le-moi. Dis-le non. Mais je te connais pas, monsieur. Je te connais pas, monsieur. Dis-moi, c'est quoi? Shazam, dis-le-moi! Bon, ok, Shazam. Et puis tout à coup, bah enfin, vous connaissez l'histoire, c'est un super-héros. En gros, qu'il faut dire carrément, il imagine plein de trucs, ce scénariste, parce que je ne sais pas comment il a fait. Donc, à propos de ça, c'est vrai que moi, j'ai trouvé que le film, c'est un plantage total. Le scénario, c'est vraiment dans l'esprit des Goonies, c'est dans l'humoristique, ils sont dans la parodie des Goonies, des Tortues Ninja, et bien sûr les 4 Fantastiques en version Shazam. Donc on dit les 4 Fantastiques, bah, chez eux, c'est les 6 Fantastiques. Mais il faut dire que quand même, le comics, c'était d'accord assez proche, côté numéro un petit peu dans les 4 Fantastiques, familial. C'est aussi un petit peu dans l'esprit de Superman, mais quand même, c'était un comics qui était réservé plus côté grand public pur large d'adolescents, parce que c'est quand même plus violent, c'est quand même plus crash, et c'était vraiment Shazam, le super-héros, qui lutte contre les forces humaines, de démons, des sorciers, la magie noire. Donc, on met ça d'accord, et en plus, le film qui met ça, waouh, il est. En gros, voici ça, quoi. Voilà, c'est ça, en gros. Mais après, bon, il dit à son frère, par exemple, bon, enfin, je vais finir là-dessus, hein, il dit, ouais, c'est moi, c'est Billy. Mais, tu vois, en adulte, mais je sais pas comment j'ai fait, j'ai rencontré un vieux monsieur assez pervers sexuel, pédophile, qui me force de dire, non, non, Shazam, mais ben, regarde, je suis un super-héros, mais fais-moi quelque chose, je panique, quoi, tu vois. Donc enfin voilà, c'est à propos de ça. En gros, qu'il faut dire dans ce film, j'ai trouvé que franchement, c'est un plantage de gueule. Je suis désolé. C'est un vrai plantage de gueule, tu vois ce que je veux dire. Et deuxièmement, pour 2h12 minutes, franchement, c'était complètement vraiment un film archiment, méga maillant, mais franchement, étrangement, bouillasse. J'ai pas aimé ce film. Alors c'est vrai, c'est marrant, c'est drôle, lui, c'est le petit enfant, les petits Goonies qui deviennent des super-héros. Mais faire ça sur les DC Comics, franchement, désolé DC Comics, mais il faut vraiment apprendre les scénaristes à lire les comics, parce que franchement, ce film, c'est pas tout à fait ça. Et en gros, je vais donner la note, je vais donner, c'est ça le pire, la note, ben, je vais vous donner vraiment la note que je pense. Shazam. Le film que je donne, c'est mais pas 10 sur 20, c'est ni 14 sur 20, c'est ni 20 sur 20, c'est carrément 5 sur 20. Pourquoi 5 sur 20? Parce que j'ai vraiment pas aimé ce film. J'ai pas aimé parce que pour 2h12 minutes, je me suis complètement ennuyé. Et ça, franchement, pour faire un film comme ça, un super boulet en super-héros de DC Comics, franchement. Non, c'est pas tout à fait ça, quoi. Il faut faire sérieux. Même Aquaman, qui fait l'humoristique, qui fait un petit peu l'humour, il est. En plus, c'est mon vrai cœur de film. C'est mon vrai coup de cœur. Et bah, même Aquaman, il est beaucoup mieux que ça. Même Deadpool. Deadpool est largement beaucoup mieux. Bon, c'est vrai que Deadpool 2, il était un peu décevant. Mais même Deadpool 2, qui était un peu déçu, il est largement beaucoup mieux que ce boulet de Shazam, quoi. Alors je te raconte pas qu'est-ce qui va arriver avec le prochain de Justice League. Hein. Voyez ce que je veux dire? Alors moi j'ai dit carrément ce film au secours quoi. Pour Shazam, au secours. Voilà, c'était le résumé en deux parties de Shazam. Et ben moi j'ai pas aimé. Ben, après vous pouvez aller voir, vous dire qu'est-ce que vous pensez. Si vous aimez moi, un type chronique de gamin, salut, je m'appelle le scénariste de gamin de 4 ans quoi. Et ben vous regardez. Vous regardez YouTube Video Forever, vidéo,
YouTube Video Forever, et vous regardez bien sûr le résumé de deux parties de Shazam. Ici Fidèle, le petit reporter de journaliste de YouTube Video Forever. Merci à vous tous et je vous dis à tout à l'heure pour le résumé de Cimetière cette fois-ci. Sur ce, ciao bye. Envoyez plein de commentaires et cliquez le petit pouce et dites-moi ce que vous pensez le résumé. À tout à l'heure, mes amis.